encore en été ou en hiver, mais encore là. Walid, t'avais dit que le soleil ça durait pas à Dijon. Ah, oh, ça tape ici hein. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Mathéo, comme ça. Nouvelle signature. Parfait. Une tatou. Bermuda. Les gars qui bloquent les cardio là, c'est chiant. C'est chaque fois. Comment il va, Brian? Quel chantier allez-vous mettre en place pour y parvenir? Ça passe par le travail. On sait que ce championnat de Ligue 2 est un championnat homogène, très difficile. Il faut toujours l'aborder avec beaucoup d'humilité. En tout cas, on va tout donner pour atteindre nos objectifs. Seulement deux places hein, l'an prochain pour une remontée en Ligue 1. Est-ce que une remontée en 2023, c'est envisageable? C'est l'objectif atteint? Le DFCO était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc chaque saison, tous les clubs aimeraient prendre ces deux places-là. C'est pour ça que je parlais d'humilité. On l'a vu la saison dernière avec un recrutement très intéressant, avec un groupe de qualité. C'était une saison compliquée. Maintenant, il faut travailler. Petit à petit, on va prendre les points nécessaires. Ce sera les objectifs à un moment donné de la saison. Mais pour moi, le plus important, c'est de retrouver la stabilité, une certaine solidité, de la confiance, un jeu dynamique. Et à partir de là, voilà, on ira étape par étape. Tout simplement, j'aimerais savoir un petit peu quel est votre état d'esprit avec ce nouvel élan porté aujourd'hui par Omar Daf et Stéphane Mandjou. Oui, un nouvel élan, comme vous l'avez dit, on repart de zéro, j'ai envie de dire. L'avantage, c'est qu'on se connaît quand même relativement très bien avec tous les joueurs de l'effectif, même s'il y a eu quelques recrues, et je pense qu'il y en aura quelques-unes encore, mais le groupe vit bien, on a été très contents de se retrouver, contents de voir un nouveau visage avec beaucoup de fraîcheur. Voilà, il arrive avec son staff, je pense très compétent et il nous tarde de vivre cette saison avec lui. Comment s'est passée la découverte des nouveaux coéquipiers, du centre d'entraînement aussi? Top, franchement, centre d'entraînement magnifique.